Vers la gauche. Vers la gauche. Vas-y, derrière, vers la gauche. En arrière. En arrière. Bon. Devant. Bon, votre table. Peut-être tout à l'heure, on va t'en donner, oui. Ah bon. Si on a assez pour tout le monde. Tu vois, oui. Des douilles, j'en ai, mais tu vois, elles sont pas là, je fais la soupe, elles sont mortes, mon vieux, tu sais, hein, les douilles. Il y avait des jeunes, tout ça. Des... Regardez tout à l'heure. Les poires, ils sont bons. C'est pour la guerre, hein, les douilles. Pour la guerre, ils ont mangé. Oui, il y a déjà de la soupe, c'est déjà pas si mal. Non. On s'approche pas trop de la rivière, hein, tu sais, le berge n'est pas solide, hein, regarde. Il va plus y en rester les cheveux. Mais si, il va rester, tu verras. C'est mignon, celui-là. Ça va, mon? Je parle des souvenirs de vous, là. Ah, moi j'en ai pas, lui, là. Il a des balles. Il donne des balles. Oh, je vais en donner. Viens, va me donner des balles de souvenirs. Oh, c'est vrai? Oh, moi, L'encre dans le bit, hein. Une baïonnette dans le bit des boches. Oh, doucement, doucement. Dans sergent, il y a un peu trop de civils dans ce bit. Allez, doucement par là, hein. Hein? Allez, vous regardez. Vous regardez. Plus vite. Allez, à la maison. Oui, allez, ça m'en va t'attendre. Allez, allez. Oui? Oui? Hein? Comment c'est ton nom? Hervé. Hervé comment? Hervé. Hervé tout court? Oui. C'est tout? Pourquoi t'es triste comme ça? Pourquoi tu pleures? Hein? Ben moi aussi je suis allé. Hein. Moi aussi j'ai un gosse. Tu vois tous ceux-là, ils ont tous des gosses. Et ils les verront pas pendant longtemps. La butte rouge, c'est son nom.
le baptême se fit un matin. Tous ceux qui montèrent roulèrent dans le ravin. Maintenant il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais qui boit de ce vin-là, boit le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y fait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Chasseurs. Oh, là. Je vais chercher Pascal. Alors allez vite alors. Pascal. Envoyez-nous des œufs. Ouais, non, non. Passez pas trop près des œufs. Jean-Claude, viens ici, Pascal. Alors, c'est dans la soupe, parce qu'on va qu'on rentre. Hein. Ça le garnement. Et tu sais celle qui a emménagé la semaine dernière, j'ai fait des rideaux. Ah oui. Hein, t'y vas, c'est mignon. Je m'en vais. Gigot, il est en train de brûler. Attends-moi une seconde. Tu veux écouter un disque? Oui. Ok. Celui-là. Tu aimes les chansons? Oui. Des rouleaux. Oh, c'est mieux, Zidane. C'est beau ici. Ça te plaît? Oui, beaucoup. C'est plus joli comme ça. Marguerite vous a aidé. On m'a aidé à tout faire, tu vois. C'est joli? Oui, c'est très beau. Tu veux quelque chose?
partir. Tu veux manger avec nous à midi? Non, non, ils vont m'attendre à la maison, je vais partir. Ils vont s'inquiéter. Tu reviendras? Oui, je reviendrai vous voir. T'es promis? Oui. Bah alors, au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Mais laissez donc, Madame Picard, je voulais faire, moi, vos pommes. Ah bah si vous voulez m'aider, je veux bien. Voilà. Ça y est, un coup. Mettez la corbeille là-dessus, voilà. Tenez. Puis les quartiers là-dessus, hein. Lesquels? Quand vous avez fait les quartiers, vous mettez sur la table. Ah, dites donc, est-ce qu'ils sont diables, les gosses? Oh, bien sûr qu'ils sont diables. Seulement quand ils font pas de bêtises, je crois toujours qu'ils sont malades. Si bien que je suis jamais tranquille. Ça va la pâte? Très bien. Et le mien, il est bien quand même, non? Oh, bah, votre petit Albert, c'est bien plus raisonnable. Oh, seulement, il attire les coups. Comment il attire les coups? Ah bah oui. Il est tellement sensible que les autres lui tombent dessus. Et le mien? Le vôtre? Oh, bah, il va très bien, seulement il grandit. Alors, il a besoin de sucre? J'espère qu'il n'en est pas privé. Ça, soyez tranquille, il chipe la part des autres. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai demandé si vous pouviez m'en apporter du sucre de Paris. Hein. Ça m'arrangerait. Mais vous savez, à Paris aussi, c'est difficile. Oh, je m'en doute. La pâte est bientôt faite, là. Je peux aller voir au four? Oui, vous pouvez. Bon, vous pouvez. Les saletés partent. Pour m'en sortir ici, il me faudrait au moins un ou deux pensionnaires de plus. Le lit de Marcel est libre, ça pourrait s'arranger. Si vous entendiez parler à votre bureau. Ça peut se trouver. Depuis que les hommes sautent au front, les femmes travaillent. Évidemment, elles ne savent pas quoi faire des gosses. Ah, ici, ils sont comme des princes au milieu des bois. Merci. C'est pas comme à Paris. Il y a la grosse Bertha. Quand c'est pas la grosse Bertha, c'est les Gothas. Quand c'est pas les Gothas, c'est les Zeppelins. L'autre nuit, j'ouvre ma fenêtre. Ben, qu'est-ce que je vois? Un gros Zeppelin devant la Tour Eiffel. Ils avaient même pas donné l'alerte. Oh, vous exagérez un peu. Non, pas du tout. Ça fait trois nuits que je dors plus. Ben, nous, on est bien installés dans la cave. Je joue au bridge. Oh ben moi, j'y descendrai pas à la cave, j'ai pas le temps parce que j'ai peur. Je suis la gla, je peux même pas enfiler mes bas. Soyez pas pessimiste. La guerre durera pas toujours. Ouais, y en a qui souhaitent que ça dure. C'est pas comme ici, à Paris. Y en a qui se font du beurre. Oh ben, qu'est-ce que vous croyez à la campagne aussi? Et même du beurre noir. Ça rapporte le deuil en 24 heures, n'est-ce pas, madame? Oh, ben vous passerez au magasin. Je vous ferai des prix. On dit des bêtises, Madame Picard, excusez-nous. Je voulais plutôt vous demander des nouvelles de Marcel. Oh, Marcel, ça y est. Je pensais qu'il ne monterait jamais en ligne, que la guerre serait finie avant. Puis il est parti. Et on n'a pas beaucoup de nouvelles. Hein. C'est terrible. Si vous voulez, c'est un gosse. Je ne peux pas me l'imaginer dans les tranchées. Je le vois encore hier. Il était aussi petit que les vôtres. Les voilà. Qui les dit? Je peux voir les qui? Oui, oui, tu peux les prendre. Mais attention, vous ne battez pas, hein? On passe comment? Oh, dans quelques minutes. Tu peux aller jouer, mais fais attention à ton costume. Il y a une tarte. Elle n'est pas grosse, hein? Mais... Quel désert. Eh ben, il y en avait du monde à la messe. Ouh là là. Puis alors, vous avez vu, j'ai déchiré ma robe. Non, c'est pas grave, on vous fera un petit point. Attention. Dites-moi, vous avez maigri, Marguerite? Oh ben, je me fais du souci. Il y a deux mois que j'ai pas de nouvelles de mon fiancé. Ah, mais là, cette guerre. Moi, j'aurais donné cher pour partir à la place de Marcel. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait, les petits, sans vous? Oh, ben, Marguerite est assez grande. Les vôtres, ils vous ont, vous? Il y a que le petit Hervé. Dites-moi, vous avez fini la tarte? Vous n'avez jamais eu de nouvelles des parents? Si, le père a écrit. Donnez. Marguerite, tu veux aller me chercher de l'eau? Oui, ma. Ça, donnez-le-moi. Vous savez, j'ai reçu sa lettre le jour où vos lettres ne sont pas arrivées, où le facteur n'est pas passé. Ah, bah oui, bah, je suis pas de l'oublier. Il veut se remarier, aussitôt qu'il aura divorcé. Ah, si elle est vivante, c'est normal. Oui, mais si elle est morte. Oh, bah vous dépêchez pas de juger trop vite, hein. On sait pas dans quelle situation elle se trouve. Donnez-moi la farine, s'il vous plaît. Mais... Vous payez, là?
Bon, bah, vous savez, hein, vous me croirez si vous voulez, mais j'ai pas touché un sou depuis 1915. Si on en faisait autant, nous. Mais le père, il peut rien vous donner. Bon, bah, là où il est, avec les quelques sous qu'on lui donne, vous savez. Bon, bah, mais, il n'a que moi ou l'assistance publique. Oh, on va vous aider. J'ai 13 points. Non, 12. Et avec 9, je rattraperai. Voilà, oh, hein. C'est malin. J'ai gagné. J'ai gagné. Maintenant, il faut tout le remettre. Ouais, il faut le remettre. Ah, avec lui, on peut pas jouer tranquille au qui. En plus que ça tient pas. Ah ouais. C'est ça. C'est grave. Ouais. Ils sont prêts. Attention, celle-là, il va tomber. Voilà, ouais. Allez, viens. Allez, on va jouer. Oh, je rattraperai. Albert, s'il te plaît, tiens-toi droit. Tu vas être bossu après. Ça marche l'appétit, mon joli? Oui, maman. Hervé, j'aimerais que tu viennes à table avec les autres. C'est tous les dimanches pareil. Allons, on mange, ça va être froid. Plus de pâtes. Oh, faudra un lapin à 6 pattes avec vous. Tu viendras te promener avec nous. Je sais pas. T'as pas faim? Ça te regarde? Oh, tu te trompes, mon piquet? C'était très bien, piquet. Oh. Il est jaloux tous les dimanches quand maman vient. Oh, mais c'est pas mort cet enfant-là. Ah, tu n'es pas brûlé au moins, mon chéri. Mais non, pleure pas, c'est rien, je t'assure. Vous, vraiment, le pauvre. Écoute, viens, essuie-toi. Écoutez, dans la chambre, tout de suite. Essuie-toi là, tiens, Mana. Et ne sois pas triste, pleure pas, ça va passer. Ah, on a de la visite. C'est dimanche aujourd'hui. Bonjour, monsieur Picard. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je te donne? Eh ben, une pâte. Ah, oh, justement, il n'y en a plus. Eh ben, dommage que les lapins aient pas mis de pâte. Hein. Bon appétit. Merci, madame. Alors, on est venu à la campagne, un peu comme ça? Non, on est venu respirer l'air, voir les enfants. Oui, des nouvelles du mari? J'aime mieux pas en parler. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu déjeunes? On va voir, je crois. Mon Dieu, 4 heures, on va louper le train. Marguerite, va atteler la charrette. Viens, papa. Merci, Marguerite. Mon pote, je peux aller avec vous jusqu'à la gare? Oui, oui. On peut aller en voiture jusqu'à mes rues? Si papa, l'heure le permet. Ah, plus ils sont loin, plus sûr. Allez, filez, les enfants. Tenez, des Américaines. Oh, merci, madame, mais je fume que du gros cul. Ça fait rien, je ferai un colis pour le fiston. Allez, 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 allez. Au revoir. Au revoir. Et votre veste dans le jardin. Monsieur Picard. Au revoir, madame. Bonne route. Merci. Au revoir, maman Jeanne. Merci. Au revoir. Oh, je tiens, je vous embrasse. Ouais. Papa Albert. Au revoir. Oh, la plume de pendant l'œil. Voilà un dimanche de passé. Elles sont pas méchantes, mais elles sont pas faites pour une maison dans les bois. Non. Arrive un peu ici, toi. Où t'as été encore freiné, hein? Oui, et le ventre vide. Ouais, toi, tu t'occupes de son ventre, mais je m'occupe de ses fesses. Alors, tous les dimanches, monsieur s'envole dans la nature. Où t'étais? Par là-bas. Eh ben, maintenant, file par là, hein. Ça fait deux fois aujourd'hui que tu l'envoies dans sa chambre. Eh ben, ça le repose. Oh. Ouais. Hervé! Hervé, viens. Merci.
Ah non, pas là, hein. Au foin. Et ne rigole pas, parce que je vais te filer une tape, hein. Allez, allez, allez. Je ne dois pas entendre un mot. Allez. Et rentre en classe dans le silence. Allez. Alors, Serge, en bêta, hein. Je ne peux pas le faire bien, ce qu'on dit de faire, non? Ce petit chef-d'œuvre, hein? C'est Michel. Ah, tu caftes. Il aurait peut-être pu le dire tout seul, Michel, non? Hein? Alors toi, tu vas au piquet et Michel va venir effacer le dessin. Je te connaissais pas cette qualité-là. Hervé, tu en sais déjà pas mal. Salut quand on rentre. Marc est parvenu à l'école ce matin parce qu'il a aidé à rentrer les pommes de terre à la cave. Bon, ben va à ta place. Va mettre ton béret. Bien, Mathieu. Après la bataille de Victor Hugo, mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hasard qui les met entre tous. Sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille, le champ couvert de mort sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre d'homme à faire oublier. C'était un espagnol de l'armée en déroute, qui se traînait sanglant sur le bord de la route. Silence! Il disait, il est vide, et mort plus qu'à moitié, et qui disait: à boire par pitié. Mon père est mort en Italie à son hussard fidèle et les gourdes de Rome qui pendaient à sa selle. Tout à coup, une énorme hussard blessé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisi d'un pistolet qui le traînait encore et vit au fond mon père en criant: Caramba! Le coup passa si près que le château tomba et que le cheval fit un écart en avant. Arrête, attends, attention, viens voir le ciel. Là. Va à ta place, Mathieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qui est-ce qui t'a donné ces photos? Hein? Michel. Michel, viens voir ici. Qu'est-ce que c'est, là? Tu en as d'autres, toi, là? La porte, ici, là. Qui introduit ces photos dans la classe? Monsieur, je le sais. C'est Bourdin. Et puis tu es rapporteur par-dessus le marché. Retournez à vos places. Albert. Tu
crois que c'est bien de regarder ça? Qu'est-ce qu'elle va penser ta maman quand elle le saura? Je crois que tu vas au catéchisme. Hein? On t'apprend pas la pureté au catéchisme, non? Tu crois que tu pourras faire ta communion en regardant des choses pareilles? Hein? Non? Viens voir, Bourdin. À ta place. Où as-tu... Qui t'a donné ces photos? Tu les as trouvées où? Tu les as trouvées par terre? C'est sûr, ça? Pourquoi tu les montres à tes petits camarades? Bon, allez vous asseoir. On parlera de ça à la fin de la classe aujourd'hui, hein? Récitation de la sécu. De l'Albatros. Mais dis-le. L'Albatros. De. De l'Albatros. Chut. De. De. Bah, si tu ne sais pas ce qui est la récitation. Non, il va nous dire. De. De Victor Hugo. Ah, je le connais. Souffle dans tes oreilles. Il faut le avoir les oreilles là. Là-bas, quoi. Charles. De Godet. Ah, attends, dis. Quoi? Charles de Godet. Charles de Godet. Alors, monsieur. Monsieur, silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur Albert Pouilly va nous réciter l'Albatros de Charles de Godet. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prenaient les albatros, vastes oiseaux des mers. Compagnons de voyage. Donc, les Alexandrins boiteux qui suivent indolents. Qui suivent indolents, compagnons de voyage. Le navire. Un navire glissant sur les gouffres. Sur les gouffres amers. Amers. Bah, tu ne la connais pas du tout. Hein, je connais le fait. Tu sais que dans les écoles, on parle souvent de bonnet d'âne, hein, mais on n'en voit jamais. On les voit sur les dessins seulement. Moi, j'en ai fabriqué un petit. Tu vois? Il est pas mal, hein? Alors, je vais te le mettre, parce que t'es si mauvais en récitation. Ouais. Ah, oh. Au piqué avec le bonnet d'âne. Eh oui. J'aurais dû marquer âne dessus. Alors tu vas aller au piqué avec ton bonnet pour pas savoir ta récitation. Hein? Allez, vas-y, va au piqué. Famille, tu vas nous faire un beau sourire là. Dès qu'on lui enlève le bonnet, il sourit. Regardez, montre-nous. Voilà, dès qu'on enlève le bonnet, il sourit. Et dès qu'on met le bonnet, il pleure. Voilà, il pleure. Non. Et un peu pour le sourire. Allez, va rendre les cahiers à tes copains. Tu sais que sérieusement, je veux pas de ça. Hein. Un soldat qui va là. C'est une attaque, hein? Vous attaquez le coin? Le coin d'aviation maintenant? Ouais. Allez les enfants. Allez, tu veux faire ton service? Quoi? Tu veux faire ton service? Je vais faire mon service. Je suis de garde. Faut que je monte la garde. Regarde. On un, voit. Deux, trois, quatre, un, deux, trois, un, deux, trois, droite. Un, deux, trois, t'as vu? Un, deux, trois. Ah ben, gêne pas sur mon chemin. Je te gêne. Hein? Un, deux, à droite, reposez, arme, un,
deux, trois. Présentez armes. Un, deux, trois. Tiens, regarde. On va regarder. Je parie qu'il va te demander de faire un tour en avion. Tu crois? Ah ouais, je suis aussi sûr. Allez. On peut faire un tour en avion. Oh, si tu veux. Tu crois qu'on fait un tour en avion comme ça? Oui, allez. C'est ça. T'es bien couvert au moins? Oui. Ça alors, tu en feras. Ça va bien? Oui. Et tu crois que t'auras pas peur? Non. Non? T'es sûr? Sûr. Eh ben, on va voir. Et tes camarades, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils seront jaloux. Ah, ah ouais. Ça, je crois. Tu crois qu'il va monter en avion? Ça ne t'interdit pas le règlement. C'est pas sûr, il pourra bien y monter. Si un boss il arrive, une mitraille. Dans les avions français, il y a des mitrailleuses. Moi, je la prends, puis crac. Allemand, hein, c'est pas long feu. Oh, si, Asselin. S'il te plaît. Il me plaît, oui, il est très beau. Il est trop beau. Oh, oui. Tu veux monter? Oui. Tu crois qu'il veut? Non, 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 viens, je vais t'emmener voir le mien. Où l'est? Là-bas, viens. Allez, descends. Allez, descends, viens. Tu verras, elle est beaucoup plus beau. Hop. Il travaille, hein. C'est toi, Michel? Oui, oui, toi. Regarde. Oh ouais. Les gros, hein. Là, on appelle ça. Tu vois les gros, les grosses boules que tu vois là, ce sont des cylindres. Et alors, il y en a 10. On appelle ça 10 cylindres déplacés en double étoile. Tu vois, tu vas pouvoir épater tes petits copains un peu, hein. Ouais. Et regarde, regarde de plus près. Regarde comme ils sont beaux. Ils sont chouettes, hein. Mais il y a de l'huile, et c'est quoi qu'il y a? Ah bah bien sûr, il y a de l'huile. Dans un moteur, il y a toujours de l'huile. Tu sais à combien ça va, ça? C'est combien? 100 km/h. Tu vas pas avoir peur? Non. Ben le mec il va aller à 140. T'as pas peur? Non. Papa Albert en avion. T'as qu'à faire la cour à la femme d'un officier, comme Hervé. Moi, je pourrais jamais y monter en avion. Pourquoi? Parce que ma mère serait malade. Je courrais même par terre, comme je la connais. Ah bon? Ouais, j'ai mal au cœur un petit peu. Tiens, regarde, voilà Michel. Alors, comment ça va? Ça va? Bien. Ouais, très bien. T'as eu peur? Ouais, un petit peu. Beaucoup? C'était bien. Oh non. Casse cou? C'était bien. Allez, on en fait un aviateur. Hein? Je viens, monsieur, avec un petit vélo. Dis, tu fais pas de biscuits tes copains, hein? Ah, c'était bien, bonhomme? Oh oui, t'avais plein. T'as vu le virage? Ah, c'est merveilleux. Vous avez piqué la merveille. Dites, mon lieutenant, vous m'emmènerez un jour. Hein. J'aimerais bien faire un tour là-haut. Et maman Jeanne? Ah, oh, bah, elle aura peur, non?
Tu lui diras rien. Ah non, 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 non. Allez, les enfants, à la maison, hein. Allez. Au revoir. Merci, hein. Et moi. Merci beaucoup, hein. Allez, salut, Hervé. Au revoir. À bientôt. Oh oui, j'ai le vertige, t'as pas vu ce qu'on a fait? Au revoir. Si, tu faisais des drôles de tournants, Lyon. Ouais, on a fait des virages. Il tournait, là, Lyon. Oh oui. T'as mal au cœur. Ben voilà. Mais Hervé, t'es toujours là? Oui. Tiens, mon ceinturon. Ben, tu vois, je suis revenu. Tiens, voilà, je suis un aviateur. Ah ben non, c'est mon oncle Kevin. Tiens. Maintenant, t'es un vrai aviateur. Ah non, il manque les habits. Ben, si je te donne tout, je me retrouve en caleçon. Sacré gars, hein. Mais t'es un vrai fauve. Tu veux une mirabelle? Oui. Une, hein. C'est bon? Oui. Une autre? Non. Un grassage, toi. Eh, prends les noyaux là-dedans, c'était pour mettre les aiguilles. Mais t'aurais pu l'élever, la vieillette. Vous battez parfois dans les avions? Ben, bien sûr. Si on parlait d'autre chose. Mais laisse-le dire si ça l'amuse. Donc je te raconte une histoire de bataille? Oui. Ben, tu vas un jour, on est en reconnaissance. Tu sais ce que c'est qu'une reconnaissance? Non. C'est simplement quand on va au-dessus des lignes ennemies pour les photographier. Ben, on venait de reconnaissance, puis c'est un jour où il y avait de gros nuages. Tu sais, les gros nuages sont toujours très près du sol. Entrez! Ah, mon lieutenant, je suis désolé de vous déranger, mais vous avez une mission d'urgence. Oh oui, mais il n'y a pas le feu. Ah, mais c'est urgent, je dois vous ramener, j'ai un ordre. Les moteurs tournent. Vous voulez pas une petite mirabelle avant? Ah, bah ça, c'est pas refus, ça, c'est mon genre. Ah là là, ça, je suis fou. Et t'es en train d'expliquer aux gosses une petite bataille. Mais c'est pas de ton âge, t'as le temps, on va. C'est la dernière, celle-là. Merci, vous êtes bien aimable. Bon, allez, Hervé. Il faut y aller. Elle est bonne, hein? Non, non. Excusez-moi, t'es les noyaux. Au revoir, Michel. Tu peux chez vous, mon lieu. Attends, mon képi. La baillère chauffe. Salut, Hervé. Reviens, t'as raison. Oh, tous ces hommes qui se déchirent. Les oiseaux dans le ciel qui crachent le feu, où tout cela mènera-t-il?
Ça y est, il l'a eu. Il est tombé à Rosier. Bien fait. Encore un qui nous emmerdera plus. Que se passe-t-il? Un combat aérien. Un avion a été abattu. Par où? Par là. Michel! L'avion, il a rougir, il est tombé à rougir. Oh merde, je cours pas, tout droit. Vas-y, je t'indique la route, tout droit. C'est un avion français. T'es sûr? Oui. Par là? Oui, par là, par là. Plus vite. Vain Dieu, il l'a eu, c'est un Boche. Regardez la croix noire. Enfin, pourquoi tu m'as dit que c'était un Français? Oui, c'est un Français.